Après l'île de Pâques, il faudra parcourir 2500 km pour découvrir les îles Pitcairn. 5 îles inhabitées dans le Pacifique, en sus de son île principale Pitcairn, avec sa cinquantaine d'habitants. Elle a été découverte en 1767 par le navire britannique Swallow, commandé par Philip Carteret. Il décida de nommer l'île Pitcairn du nom d'un membre de son équipage, Robert Pitcairn, qui fut le premier à apercevoir cette île. Elle devint vite une colonie britannique et est à ce jour le seul territoire britannique du Pacifique. Cette île volcanique de 5 km² culmine à 347 mètres. Elle manque d'eau et sa faible surface, accidentée, n'offre pour l'agriculture que très peu de possibilités. Elle est ravitaillée 3 fois par an par un bateau venant de Nouvelle-Zélande. La Marine nationale française les ravitaille en combustible pour les générateurs électriques, les baleinières et les quads des habitants. Les résidents vivent de la production de quelques fruits et légumes, de la pêche, rendue difficile par l'absence de barrières de corail, les fonds marins sont vite très profonds, des produits de l'artisanat vendus aux bateaux et aux touristes de passage, de l'exportation de miel, considéré comme le plus pur du monde, il n'y a pas de source de pollution sur l'île, des aides financières de la diaspora, qui réside principalement sur l'île de Norfolk. Quelle a été l'influence du Bounty sur l'île de Pitcairn? Ce bateau, 3 mâts de 28 mètres, commandé par William Bligh, avait pour mission de transporter des plants d'arbres à pin de Tahiti vers les Antilles anglaises, aujourd'hui Jamaïque. Le commandant, irascible, et surtout la douceur polynésienne, furent la cause de la plus célèbre mutinerie de l'histoire de la navigation. Bligh et 18 marins fidèles furent abandonnés sur une chaloupe à la grâce de Dieu. Bligh regagnera l'Angleterre après de nombreuses péripéties. Christian, avec ses mutins, fit un séjour à Toubouaï avant de revenir à Tahiti, d'où il repartira après divers événements avec seulement 9 mutins, 6 Polynésiens et 14 Polynésiennes. Mi-janvier 1790, ils se réfugièrent à Pitcairn, une île qu'ils avaient choisie car mal répertoriée sur les cartes et totalement inhabitée. Ici, la justice va avoir du mal à les retrouver. Le Bounty fut déchargé et incendié. Les premiers mois furent paisibles, mais les tensions ne tardèrent pas à s'accumuler car les Européens considéraient les Tahitiens comme leur propriété, les femmes en particulier étaient échangées d'un mari à l'autre. 10 ans plus tard, un seul homme sur les 15 avait survécu. Ils s'étaient tous entretués pour un bout de terre ou pour une femme. Le matelot John Adams était le seul survivant.
il prit la responsabilité de l'éducation et du bien-être des 9 femmes et 19 enfants vivant alors sur l'île. Avec le concours de la Bible du Bounty, il leur enseigna l'écriture, la lecture et le christianisme. Après avoir été retrouvé, John Adams fut gracié. En 1814, 2 navires de guerre britanniques arrivèrent sur l'île. Les 2 capitaines rapportèrent que le fils de Christian présentait toutes les caractéristiques d'un honnête visage anglais. L'île comptait alors une population de 46 personnes, dont un grand nombre de jeunes. Le nombre d'habitants de l'île continua à croître et en 1856, la surpopulation poussa les 194 résidents de Pitcairn à s'installer sur l'île de Norfolk. Une poignée retourna vivre sur Pitcairn. La cinquantaine de personnes vivant actuellement sur l'île descend en grande partie de ces derniers. Cette communauté est menacée, frappée par un mal plus mortel que toutes les épidémies. L'exode de ses enfants en Nouvelle-Zélande, mais également la consanguinité. Je t'aime. Oh, bah oui. Une fois avoir quitté l'île, pratiquement aucun n'a le désir du retour. Ils sont donc à ce jour 49 à vivre sur l'île, répartis dans 23 foyers. 31 personnes travaillent, dont 20 ont plus de 50 ans. Les autorités de l'île ont tenté en vain d'attirer les étrangers. Depuis 2013, quelques 700 demandes de résidence sont instruites par an. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune n'a abouti. Un autre souci trouble l'île. Dans les années 2000, des accusations de viol sur des enfants ont été jugées en Grande-Bretagne et en Nouvelle-Zélande. 12 hommes sont reconnus coupables, dont le maire de l'île. Conséquence vraisemblable de la promiscuité et de l'isolement. Quel avenir pour Pitcairn ? Une enquête estime que si on ne prend aucune mesure, l'île ne comptera plus que 3 individus en âge de travailler dans les 20 prochaines années, le reste de la population atteignant alors un grand âge.